the winner of the media award for 2015, somewhat inevitably since they've been our major guests the last 2 years, is Interpol and their Turn Back Crime campaign. Roraima Andriani qui vient sur le podium et le prix est remis par Michelle Ramis, ambassadrice au crime organisé. L'année passée, je suis venue ici pour la première fois et pour présenter notre campagne. Et sincèrement, je n'aurais jamais imaginé le parcours que la campagne allait avoir. Il y a aussi moi et mon staff derrière elle. En effet, la campagne en a parcouru des kilomètres en 12 mois. On peut dire qu'elle a vraiment fait le tour du monde. Ces images témoignent l'impact de Turnback Crime sur tous les continents, de l'Asie à l'Afrique, à l'Europe, aux Amériques. La police utilise Turnback Crime pour parler de manière crédible à leurs citoyennes sur la sécurité. Chaque semaine, la police nationale d'un pays membre d'Interpol lance sa campagne Turnback Crime à travers ses canaux de communication officiels, ses sites web et ses réseaux sociaux. Mais il ne faut pas surtout oublier que c'est main dans la main avec le président de l'UNIFAB, M. Christian Peugeot, que lors de la journée mondiale anti-contrefaçon l'année dernière, Interpol a lancé Turnback Crime. La première campagne de communication dans l'histoire d'Interpol, qui a 100 ans, est née ici, avec vous, le 5 juin de l'année dernière. Et après avoir fait le tour du monde, avoir parcouru des kilomètres, avoir communiqué dans plein de langues, avoir rencontré bien des cultures, nous sommes à nouveau ici, chez l'UNIFAB, à Paris, dans ce scénario magnifique. Comme quoi, ce dicton italien est bien vrai, toutes les strades portent à Roma, tous les chemins mènent à Rome, mais dans ce cas, à l'UNIFAB. Permettez-moi d'exprimer encore une fois les remerciements les plus sincères d'Interpol pour votre puissante reconnaissance. Together, the possibilities are endless. Together, we can turn back trafficking, exploitation, terrorism, fear, crime. Grazie di cuore. Bravo.